Bien le bonjour, le bonsoir, le bon appétit. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le Crous de Strasbourg pour faire une petite visite du street art de la ville. Venez, ça va être bien. Allez, viens, viens. Voilà, donc on commence la visite en se donnant rendez-vous au MAMX, musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, pour voir l'œuvre de Feil, qui est très belle sur tout le musée d'art moderne. Et puis on va faire le petit tour un petit peu de cette œuvre, ça va être sympathique. J'avais déjà filmé cette œuvre quand il faisait un peu plus beau, alors voilà quelques images. Cette œuvre est dite monumentale puisqu'elle représente tout de même 1000 m² tout autour du musée d'art moderne et est réalisée par Feil, un collectif d'artistes qui nous vient des États-Unis et qui réalise ses œuvres d'habitude hautes en couleurs inspirées du pop art, mais ici en noir et blanc puisqu'ils se sont inspirés d'un poème qu'ils ont eux-mêmes écrit à propos de Strasbourg, et le noir et blanc rappelle justement l'écriture. Cups with the ice and we do this every night. A few inches later. Ça, c'est la tâche qui ne fait pas partie du mur. Il y a des trous de balles qui collent des chewing-gums sur les œuvres. The painted landscapes deceive me, dancing between angles and angles. One becomes timbers where many glow. The river shines from fallen ray out of sigh. Time is measured here under a constellation of gold. On poursuit notre visite avec un mur juste à côté du musée qui a été réalisé par trois artistes, Jake El Diablo, Salamèche et Pro 176. C'était l'année passée et en collaboration avec le NL Contest lors des événements off. Durant cette courte visite, la guide nous a aussi parlé de l'origine du street art et c'était très intéressant de voir que, bien évidemment, ça vient majoritairement des États-Unis, mais ça vient aussi beaucoup des gens qui veulent simplement signer leur petit blaze, comme par exemple le courtier qui signait Taki 183 à la fin des années 60. Ensuite, le graffiti s'est étendu au métro, puisque le métro ça permet de faire voyager son blaze dans toute la ville, ainsi que dans toute l'Europe avec des magazines ou des films comme Wild Style. Est-ce que le graffiti c'est plus un message à faire passer avec un lettrage ou simplement écrire son blaze et laisser sa trace? Alors le graffiti, je pense qu'à la base, si les mecs ont peint sur les métros à New York, c'était essentiellement pour faire voyager leur blaze à travers une communauté, leur communauté. Et par la même occasion, toucher effectivement le grand public. Mais je pense qu'à la base, c'était un petit peu l'ancêtre d'Internet et que ça permettait en fait de marquer un petit peu son territoire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette culture, elle vient de la culture des gangs, etc., de marquer son territoire dans les années 90. Et c'est l'arrivée de ce mouvement en France, et forcément à travers la culture skate qui réunit un petit peu toutes les cultures rock, hip-hop, etc. Parce qu'à l'époque, on avait comme référence deux bouquins, un qui s'appelait Subway Art et l'autre qui s'appelait Spreken Art. Ces bouquins et tous les petits fanzines qui sont sortis en Europe, voilà, étaient les premiers trucs qui nous ont influencés. Faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein.
le dernier arrêt, on nous a parlé du Grafalgar, et c'est un hôtel que j'apprécie particulièrement à Strasbourg, puisque chaque chambre de cet hôtel, un artiste est invité à la décorer avec son univers dans toute la chambre, jusqu'à même la salle de bain. Cet hôtel sert aussi de bar et de salle d'exposition, donc il y a régulièrement des événements. Si vous êtes sur Strasbourg, je vous conseille vivement de checker l'actualité de ce lieu, comme par exemple en ce moment, il y a une expo photo de Polaroid. Et voilà, la petite visite du street art terminée. Alors, on est resté dans un seul quartier de Strasbourg, on n'a pas vu grand chose, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'explications, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. Bien que courte, j'ai voulu mettre un maximum d'explications, surtout pour les artistes fail qui ont fait un travail monumental sur le musée d'art moderne de Strasbourg. Enfin bref, maintenant il pleut, merci la ville de Strasbourg. Je dis n'importe quoi. De retour à la maison. Oui, je suis rentré parce que vraiment la caméra sous de la pluie, ce n'est pas pratique. Et j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, voilà, autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Salut. Bisous.